à tous. Aujourd'hui, vous avez peut-être deviné le thème de la vidéo, puisqu'il y a pas mal de verres autour de moi. C'est les plantes non toxiques pour nos amis les chats. Et je vais vous en présenter aussi quelques-unes que j'ai dans la collection qui sont toxiques et que je ne vous recommanderais pas si vous avez des chats qui aiment bien mâchouiller les plantes, comme Mojo, enfin, surtout comme Loki, mais il viendra peut-être nous montrer. Alors autour de moi, j'en ai plusieurs. Et je vais vous les montrer. En fait, j'ai commencé très récemment ma petite collection de plantes. Dans les précédents appartements, en fait, ils étaient pas... On s'y projetait pas, du coup, on voulait pas y rester, donc je les ai pas aménagés avec des plantes. Mais là, vu que maintenant on est propriétaire et que j'avais très envie d'avoir des plantes, et ben, j'ai investi déjà dans une petite, comme vous pouvez voir, une petite étagère où d'habitude elles sont rangées là pour plantes. Et après j'en ai mis un peu partout, j'en attends bof encore des commandes et tout, enfin, je les renouvelle assez souvent. Donc c'est parti, et la première plante que je vais vous présenter c'est la Calathea, donc c'est celle-ci. Je vous mettrai des petites vidéos un peu partout pour que vous puissiez voir les différents types. La Calathea c'est une plante tropicale, il y a plein de formes de feuilles différentes, d'ailleurs j'en ai deux autres par ici que je vais vous montrer. Hop, j'ai celle-là. C'est une Calathea botistar, donc comme vous pouvez voir, Loki a mâchouillé certaines feuilles. Donc j'ai celle-là, elle est très très jolie avec le dessous des feuilles violet, j'adore. En plus, elle est très résistante je trouve. Ensuite, une deuxième Calathea, j'ai la Calathea... Bonjour, tu peux te pousser, merci. La Calathea Yokana, si je me trompe pas. Très jolie aussi. Celle-là, elle se referme, elle se remonte un peu la nuit. Elle bouge toute la journée, j'adore. Très jolie. Attends, bonjour. Oh oui. Et la plus grosse que j'ai, du coup, c'est celle-là. Elle a subi une petite ablation de certaines feuilles il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, celle-là, c'est une Calathea Mausica Network. J'adore. Hop là. Donc ça, c'est la première espèce de plante qui n'est pas toxique pour vos chats. Et dans la même famille, il y a les sténantes. Aussi une plante tropicale avec des très jolies feuilles comme ça. Donc celle-là, c'est une, si je me trompe pas, c'est une burle Marxi. Je vous mettrai tout ici. Pareil, elle se referme un peu la nuit. Et dans la même famille... Bonjour Mojo. Dans la même famille, il y a les Maranta. Moi, j'en ai une petite qui a été mâchouillée, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une petite Maranta. Je vous mets le nom, je ne sais pas laquelle c'est. Tu l'aimes bien, Mojo ? Voilà. Et elle se referme aussi la nuit. Et elle pousse super vite. Donc celles-là, elles ne sont pas toxiques, c'est de la même famille. Donc il y a les Calathea, les sténantes et les Maranta. Elles sont plus très jolies et par contre, elles ont un fort besoin d'humidité. Sans avoir un terreau détrempé, mais besoin d'humidité quand même. Voilà. En autre plante non toxique, il y a la Pilea. Fait des grosses feuilles comme ça, j'adore, assez facile d'entretien je trouve. Ensuite il y a, alors je vais sûrement écorcher le nom, hein. les Enanthius enitan, je sais l'écrire mais je sais pas le dire. Et celui-là, il est un peu particulier. Vous voyez, il a plusieurs couleurs sur les feuilles. Et en fait, il est variegata. Donc, j'aime beaucoup. Donc, non toxique pour les chats. Il y a aussi cette petite plante qu'on appelle L-xine. Je crois qu'aussi, c'est larme de bébé ou larme d'ange, quelque chose comme ça. J'avoue que je la comprends pas trop encore parce qu'il y a un côté où elle est sèche. Il y a un autre côté où elle est belle, alors je sais pas trop. Mais elle est très jolie, je trouve. En non toxique encore, que je viens juste de rempoter, que j'ai eu dans un échange de plantes,
Il y a le chlorophytum. C'est très joli, ça pousse super vite. En fait, c'est des plantes araignées. Ça fait des pousses comme ça et au bout, ça fait des bébés plantes. Tu manges pas cette plante, bonjour. Non, non. J'aime beaucoup. On en voit beaucoup, beaucoup aussi. Il y a les cactus de Noël. Ça, c'est non toxique pour nos chats. Ça se repique super bien et ça fait des fleurs magnifiques. Je sais pas si vous voyez. Trop joli. Ça pousse très bien, ça demande pas beaucoup d'entretien. Il y a une autre famille de plantes qui sont pet friendly ou cat friendly, c'est les peperomia. Donc celle-là, je vous mets le nom juste en dessous parce que je m'en souviens pas de tête. Ça se représente comme ça, très joli, avec le dessous des feuilles bien rouges. Et il en existe deux autres espèces que vous verrez peut-être. Il y a celle-là, c'est aussi une peperomia, et celle-là. Ça fait un peu comme des plantes grasses, c'est facile d'entretien. Moi, c'est tout ce que je cherche. En parlant de plantes grasses, vous savez, toutes les petites plantes grasses qu'on trouve comme ça un peu partout, qui poussent n'importe où, n'importe comment, et ben c'est pas toxique non plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est pour ma collection de plantes non toxiques que j'ai fait le tour. Ouais, donc Galatea, Maranta et Sténanthe. On a le chlorophytum, on a le cactus de Noël, on a celui-là, où c'est plus le nom, c'est plus prononcé. Et les peperomia et les pilea. Et après j'en ai deux chez nous qui sont toxiques. J'ai la misère. Donc ça pousse super bien, hyper simple d'entretien, mais c'est toxique. Dans un degré moindre, hein, mais c'est toxique. Et il y a aussi l'aloe vera. Donc j'en ai une belle, j'ai pas pu la descendre, elle est un peu lourde. Et c'est toxique, vraiment vraiment toxique pour le coup. Vous faites aussi attention à tout ce qui est muguet, les orchidées, il me semble que c'est pas bien bon non plus. Enfin, il y a énormément de plantes qui sont toxiques et évidemment je pourrais pas toutes les citer ici, mais je vous mets un lien en barre d'infos qui vous donne toutes les infos sur quelles plantes sont toxiques et lesquelles ne le sont pas. Moi c'est sur ce site que je me réfère en tout cas pour faire mes achats de plantes. Il y a une plante que très souvent on a à la maison et qui est toxique, c'est le pothos. Voilà, malheureusement. Et du coup pour essayer un peu de détourner les chats de mes plantes, du coup à la maison ils ont un gros bouquet de plantes comme ça qui est en fait de l'herbe à chat. Il me semble que c'est de la même famille que le blé et ils en mâchouillent de temps en temps pour se purger. Et quand j'en prends un qui est en train de monter sur une étagère pour manger mes plantes, et ben je le mets le nez dans celle-là pour qu'il comprenne que ça c'est à lui et les miennes c'est pas à lui. Surtout Loki qui fait ça. Donc voilà, je vous laisse avec des petites vidéos de mes plantes et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bonne journée.